This is the day of our brother Trésor and our sister Karine. Nous savons très bien que nous sommes tous venus ici en famille. We know that we came here as a family. En tant qu'église. As a church. Les amis. As friends. Les collègues. As colleagues. Pour honorer ce couple. To come and honor this couple. Comme le frère Branham l'a dit. Like brother Branham said. Le couple, ils ont décidé de ne pas marcher sans la présence de Dieu. This couple decided not to walk with God, not to walk without God. Raison pour laquelle ils sont venus à la maison de l'Éternel. That's the reason why they came in the house of the Lord. Avant de commencer, before we start, pour que nous appelons le pasteur afin qu'il continue avec le service. We invite the pastor to continue with the service. Nous allons seulement appeler la présence de Dieu au milieu de nous. We just call upon the presence of the God, of the Lord in. Nous venons à toi avec de nous voir parce que nous savons que ce n'est pas dans ta présence que le mariage sera réalisé au Père de gloire. Ce livre que nous sommes venus au Père de gloire pour honorer au Père de gloire. Nous ne sommes pas venus au Père de tout-puissant pour honorer un homme, mais nous sommes venus Père pour honorer par le Dieu du ciel. La seule chose que nous demandons, c'est qu'il descende au milieu de nous au Père de gloire, parce que cette réunion au Père de tout-puissant, ça, la présence du Père, nous allons aller comme des hommes au Seigneur de gloire. Mais nous voulions marcher par ta police à toi, le Dieu du ciel, pour que toi seul, l'Alpha et l'Oméga, tu soutiennes mon père Trésor, tu soutiennes ma soeur Karine, mon père de gloire, alors que père de gloire, ils ont décidé de marcher ensemble au père de gloire. Ils ont besoin de notre soutien. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, comme vous le savez. Ils ont besoin de notre soutien. They need really our support. Nous avons des... Yeah.
It's true, this is a day of joy for all of us. Parce que nous sommes assemblés ici. Because we are gathered together here. Pour l'occasion de nous retrouvons. For the occasion that we are gathered together here. Qui est un moment de joie. Which is the moment of joy. Je vais dire un petit mot de prière. I will say a word of prayer. Père Céleste, Créateur des cieux et de la terre, des choses visibles et invisibles, nous nous retrouvons encore devant ta présence cet après-midi. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce moment que tu nous donnes encore d'être ici. Sois avec nous, Seigneur. Prends le contrôle de toute la réunion. Nous abandonnons ce service. I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Asseyez-vous. You may be seated. Je vais lire une deuxième lecture de la parole de Dieu dans Genèse chapitre 2. I'm going to read the second scripture in Genesis chapter 2. Genèse chapitre 2. We are in Genesis chapter 2. Nous lisons les versets 23 et 24. Genesis chapter 2. Il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Therefore, a man shall leave his father and his mother and be joined to his wife and they shall become one flesh. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Let God bless the reading of his word. Nous sommes assemblés ici. We gather together here. C'est pour légaliser devant Dieu le mariage de Trésor et de la sœur Karine. We are here together to legalize before God the marriage of brother Trésor and sister Karine. Comme nous avons lu dans la parole de Dieu, like we read in the word of God, c'est Dieu qui a institué le mariage. Is God who made the marriage? C'est le propre de Dieu que par la prière, ce mariage peut être légalisé auprès de lui. It's only from God that the marriage can be legalized by the prayer. Do with our burden, pour qu'il allège, qu'il donne le repos, so that he may give the rest. Notre bien-aimé Trésor et la sœur Karine, our beloved brother Trésor and sister Karine, ils sont venus devant Dieu. They came before God, pour que nous puissions prier pour eux. In order for us to pray for them, afin de légaliser le mariage, so that we legalize the marriage, parce que c'est une institution de Dieu. Because this is God's institution. Raison pour laquelle ils sont ici. That's the reason why they are here. Nous allons prier pour eux. We are going to pray for them. Pour légaliser devant Dieu. To legalize before God. Et ainsi, mon frère et ma sœur. Then my brother and sister. Le mariage qui est une institution de Dieu. This marriage which is God's institution. Dans notre prière, c'est pour que Dieu les aide, qu'ils soient réellement allégés de leur fardeau pour qu'ils suivent les instructions que Dieu donne à travers sa parole. In our prayer, we want God to remove their burdens so that they can be not being heavy, they can be light in the word of God. Il y a des instructions que Dieu donne dans sa parole. There are some instructions that God is giving in his word. Dans Ephésiens et d'autres épîtres, Dieu nous les donne. In Ephesians and other scriptures, God is giving to us. On ne peut pas les vivre si on ne vient pas auprès de Dieu pour recevoir ces instructions. Then you cannot know them or live according to them if you don't come to God and receive it. Notre cérémonie maintenant, our ceremony now, va consister à prier pour le couple. Is to pray for the couple. Comme épouse, who is giving this woman to this man as a bride. Okay. Thank you. You may be seated. C'est une question importante. This is a very important question. Parce que l'homme prend la femme.
because they may test the woman auprès de ceux qui ont la charge from those who got that burden to done to be Père Céleste, Heavenly Father, toi qui as institué le mariage, this institution of marriage comes from you, et qui a marié le premier homme dans le jardin d'Eden, and you've married the first man in the garden of Eden, nous croyons que tu ne changes pas. We believe that you don't change. C'est toi, Seigneur, qui peux encore une fois de plus unir les cœurs de notre frère et de notre sœur. It's you, Lord, who can mon frère et ma sœur, my brother and my sister, pour qu'ils puissent encore une fois de plus auprès de toi, for once again before you, recevoir toutes les bénédictions utiles, to receive the useful, afin qu'ils puissent vivre comme époux et épouse, so that they may live as a husband and wife, dans les directives que toi tu donnes dans ta parole, in your directions that you're giving in your word. Viens encore une fois, Seigneur. Come once again to support. Tu connais leurs besoins, Seigneur. You know their needs. Cette nouvelle vie qu'ils vont commencer maintenant, this new life they will start. Oh Seigneur, oh Lord, avec ta bénédiction, with your blessing. C'est toi seul qui peux aider. It's only you can help them. Ils sont venus, Seigneur, they came to you, Lord, pour que nous puissions prier, so that we can et le recommander pray à toi. And recommend them to you. And all the same visit. Oh Seigneur, oh Lord, bénis le désir de leur cœur. Just bless the desire. Fortifie le frère. Strengthen the brother. Fortifie la sœur. Strengthen the sister. Sois avec eux, Seigneur, dans leurs besoins et préoccupations. Be with them in their need and preoccupations. Seigneur, Lord, encore une fois, once again, c'est toi le refuge. You are the refuge. C'est toi qui fais tout pour eux. You, Jésus-Christ, in the name of Jesus, we pray. Amen. 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 God is going to assist you. C'est ainsi que vous pouvez réellement expérimenter la vie commune avec Dieu. Then you can experience nice life with God. Parce que sans Dieu, because without God, l'homme est dans les ténèbres. Man is in the darkness. Il marche sans connaître où il va. He's walking without knowing where he's going. Il y a beaucoup de choses. There are a lot of things que Dieu vous réserve. That God is keeping for you. En entrant dans les bénédictions dans sa parole. When you enter into blessings in His word. Le désir ardent que nous avons de tous. Thank you.
auprès de qui nous sommes entrés fatigués et sortant, Seigneur, nous avons la foi que toi tu nous donnes la paix. Amen. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous. Merci Seigneur pour ce service. Encore une fois, Seigneur, nous voulons sortir. Viens encore une fois. Thank you.
Applaudissez s'il vous plaît, applaudissez s'il vous plaît. Et maintenant, on se retrouve du couple Fixoir à accompagner les deux familles. On va applaudir fortement pour vous encourager s'il vous plaît. DJ à ton tour. À la prière.
afin que nous puissions maintenant passer à la prière. Les enfants, pas de vous. Appelez le pasteur, frère Pascal, pour nous donner un moment de prière pour que nous puissions commencer. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, des choses visibles et invisibles, nous te disons merci pour l'occasion que tu nous donnes encore de nous retrouver ici ce soir. Toi, tu connaissais bien ce jour, Seigneur. Tu nous as assistés, tu as été avec nous pour la bénédiction de ce groupe. Maintenant que nous nous retrouvons encore dans la salle pour la réjouissance, viens encore une fois, Seigneur. Sois avec nous durant tout le temps que nous allons passer ici. Bénis, Seigneur, cette soirée. Bénis tout ce qui sera fait en ces lieux. Aide-nous, Seigneur, pour la joie de ce couple. Que tout soit fait pour la gloire de ton nom. Et au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Et comme vous le remarquez, est le seul dans cette salle qui s'habille de cette manière. Alors nous savons que qu'est-ce qui s'est passé pendant la journée. Alors nous allons demander à son représentant trésor de se tenir aussi debout. Et quand c'est debout, on applaudit aussi à son tour. Amen. Et maintenant, je vais demander aux membres de la famille de la sœur Karine, tous les membres de la famille de la sœur Karine à se tenir debout et on va aussi applaudir. Le membre, le papa, maman, tout le monde, oncle. On applaudit, s'il vous plaît, on applaudit, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse pour tout le monde. Vous avez fait un peu pour que Dieu vous aide, pour vous aider possible. Aussi, je vais demander à la famille de notre frère Trésor, pour celui qui est venu de la part de notre Trésor, qu'il puisse aussi se tenir de vous en train de nous. Avec des conseils et autre chose. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Et maintenant, je vais appeler du côté, vous pouvez vous mettre à ma sœur, frère Trésor. Je vais appeler. Je suis ici pour vous parler en quelques mots de ma sœur Karine. Elle est née d'une famille de 8 enfants, dont 7 filles et 3 garçons. Elle occupe la 4e place de la famille. Elle occupe la 4e place de la famille. Après 2 filles et 1 garçon. Karine, telle que vous la voyez, c'est une charmante femme. Ça se met. Ça se met. Voilà pourquoi. Il a longtemps hésité, il était là, mais il ne devait que le carrer. Et voilà pourquoi aujourd'hui il réalise ce rêve-là, de rendre cette charmante femme son épouse. Nous pouvons applaudir ce couple. Merci beaucoup pour votre présence. Nous bénissons Dieu que vous puissiez venir. Honorer notre sœur en honorant, vous nous avez aussi honoré. Nous vous disons merci, comme on n'a pas beaucoup de temps, donc je ne peux pas vous garder longtemps. Merci et bonne fête. Applaudissements. Je vais être très court. Enfin, je suis là en ma qualité de représentant de la famille Chimba. La famille d'où vient le trésor. Trésor vient d'une famille de 7 enfants, et le cadet. Et dans cette famille, il n'y a que 2 ans. Donc, Léon, Léon,
sort de confinement de l'année. J'ai connu Trésor, un homme discipliné, qui est très respectueux aussi. C'est tout ce que je vais dire. Sinon, si je vais dire à tout raconter, on va passer toute la soirée à raconter les hommes que j'ai connus depuis quelques temps. Nous remercions la famille Chinoka pour avoir donné la main de Karine à Trésor. Merci beaucoup et merci pour tout le monde pour être venu. On remercie surtout Dieu pour avoir rendu ces jours possibles. Merci. On a terminé par le manger. Alors là, je vais demander au couple de ce soir de venir recouper les gâteaux et de se faire manger les gâteaux. Et au même moment, nous allons profiter pour faire le toast. Et je vois sur vos tables, il y a déjà le bouteille de fête, le bouteille de champagne qui sont là. Alors, s'il y a une personne sur votre table qui connaît comment les ouvrir, il peut déjà commencer à le faire tant qu'ils sont en train d'avoir un conseil. Et vous allez attendre le mot d'ordre pour que nous puissions les ouvrir sur vos têtes. C'est par 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Et on peut applaudir s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous pouvez tourner à la salle. Tourner à la salle. Ah oui. Ça, c'est Frère Trésor et la sœur. Et Frère Trésor, c'est toi qui commençais. On va compter par toi, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Ah oui. Et ça, c'est le frère de notre frère Trésor. C'est le frère de notre frère Trésor. Ah oui, c'est un gardien, nous t'observons plus. Viens, moi, non, nous pas dire qu'il y a qui n'est né. On compte par trois. 1, 2, 3. Ah oui. Ah oui, merci beaucoup. Vous restez là-bas en haut. Restez en bord. Maman Karine, restez. On a même le champagne en faisant cela. Alors, préparez vos bouteilles de champagne pour que nous puissions danser ensemble avec le couple de ce soir, s'il vous plaît. Les bouteilles, s'il vous plaît. Et 5.
Ambundu. Mais nous continuons avec notre programme. Je vous ai dit que nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Nous allons faire le tout possible afin que nous puissions terminer à temps pour que les gens qui prient demain matin, qui font plus de loin, puissent arriver à temps à la maison. Et maintenant, nous allons passer, s'il vous plaît, à la remise de cadeaux et la salutation. On va saluer et remettre le cadeau, tout ce que nous avons amené au couple de ce soir. Alors, nous allons amener et aussi les féliciter, les encourager et je vous demanderai de le faire.
Victor. Allez, Victor. Arrangez-vous, s'il vous plaît, pour la photo. Allez, Victor. Nous sommes des remettants, s'il vous plaît. Thank you.
ce sont les gens qui ont enchaîné le trésor, les gens qui l'ont accueilli dans l'amour et les gens qui l'ont vraiment accompagné jusqu'à ce jour. Alors nous sommes très contents de ce qui vient de se passer, il est maintenant marié. Grand merci pour votre soutien, pour tout ce que vous avez fait pour le couple, au nom simplement des anciens de Don Bosco, au nom des anciens de Salama, qui sont amis comment encore une fois, je voudrais dire le Salésien. Nous voulions vous dire un grand merci parce que Trésor est presque, je peux dire, cousin aux gens de Salama, aux gens de Don Bosco. Et ici, ils sont très nombreux. Je voudrais, on voulait me dire associé. Ça veut dire Trésor, il est associé. Vous savez que Trésor a fait Mutoshi. Les gens de Mutoshi, ils sont les associés des anciens de Salama. Alors, on est tous amis, on est tous des techniciens. Je voudrais demander aux anciens de Salama, s'ils sont ici, aux anciens de Mutoshi, les techniciens en général, si vous pouvez vous mettre debout pour qu'on vous honore. Les anciens de Salama, on s'est dit, si moi je connais la question numéro 10, et que toi tu connais la question numéro 9, on s'échange et tous on passe l'année prochaine. Ça c'est l'esprit. Je ne veux pas dire qu'on triche, on ne triche pas. On s'échangeait simplement pour que la semaine qu'on passe. Alors, cet esprit, nous l'avons eu de notre père fondateur qui est Don Bosco, le père salésien. Et cet esprit nous accompagne. Même si vous êtes à Cape Town, vous allez trouver ce même esprit. Si vous êtes aux États-Unis, vous allez trouver le même esprit pour les anciens de Salama, les techniciens en général. Sur ce, je voudrais profiter déjà pour cette opportunité d'annoncer que nous avions notre réunion pour les anciens de Salama. Ça sera pour le 15. Ensemble avec d'autres techniciens, nous avions la réunion le 15, ça sera Idenval, pour organiser notre fête, l'anniversaire qui est au 31 janvier. Alors, je voudrais maintenant que vous allez maintenant laisser le terrain aux anciens de Salama. C'est eux qui vont maintenant prendre le terrain pour essayer d'encourager notre ami Jamal. Un grand merci pour le soutien devant mon grand frère. Merci aussi pour tout ce que vous avez fait. Je voudrais aussi dire félicitations au couple au nom des anciens de Salama. Félicitations vraiment. Merci beaucoup. On peut nous donner un clic pour les anciens de Salama.